la côte à zéro, il faut amener à la côte de référence. Quand c'est arrivé, quand il y a l'affichage, on peut choisir un programme. Donc là, on appuie sur P, on va sélectionner un programme, on va prendre le 90 par exemple, et là on va rentrer des côtes. Donc on efface la côte, on met la côte que l'on veut, on descend dans la programmation, on va faire 40 jusqu'à 120. Une fois qu'on a rentré toutes les côtes, on envoie sur la... Ah, pardon. On met sur automatique. On envoie sur la première côte ici. C'est la côte de chargement. Une fois qu'on a saisi ici, on n'a pas de coupe à faire. On programme sur la deuxième coupe. Et à partir de là, ça va partir en automatique. Là, il est revenu à la côte de chargement.